les gars, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mi-vlog, mi-journée dans ma peau. Mais du coup, suite à ma dernière vidéo, vous m'avez demandé de faire une vidéo un petit peu plus longue où je vous montrais un petit peu plus de choses. Puisque dans ma dernière vidéo, c'était uniquement le strict minimum de ma morning routine. D'ailleurs, si vous voulez la voir, le lien sera ici ou ici, je sais plus. Aujourd'hui, je vais vous montrer une journée sous le signe de la productivité. Puisqu'avec ce confinement, bientôt déconfinement, je vais vous montrer comment j'organise mes journées et comment je reste productive. Je vais pas vous cacher, il y a des journées où je fous totalement. Là j'ai encore mes cours à distance, donc aujourd'hui j'ai plusieurs trucs à faire qui vont être monter une vidéo pour Instagram. Je l'ai filmé hier, ça m'a pris toute la journée. Je dois répondre à des mails, je dois prendre des photos, je dois sûrement vous filmer aussi une vidéo, enfin bref, ça à voir selon les réponses des mails que je vais avoir. Première étape, généralement ce que je fais la veille, je note sur mon portable ou sur un bout de papier, enfin bref, ce que j'ai à faire. Des fois je pense à des trucs qu'après je m'en souviens plus du tout. Donc là je me suis levée, j'ai mangé, enfin j'ai fait plein d'autres trucs, etc. Je suis pas maquillée, hein. Autant il y a des jours je peux me maquiller, mais là je me maquille pas, ça sert à rien pour l'instant. Ma brassière vient de chez Undies, mon débardeur de chez Pinky, j'ai ce jogging là que je vous ai montré dans mon haul à sauce qui vient de chez Pull&Bear. Donc là je vais ranger mes vêtements. Je déteste quand c'est le bordel, genre vraiment j'ai une petite chambre mais c'est toujours rangé, franchement c'est rare que ça soit le bazar. Alors vraiment quand c'est le bazar, c'est que je ferme mes yeux et que j'ai vraiment pas le temps. Encore là mon bureau il est un peu en bordel, j'utilise pas. Ah oui, vous ferez pas gaffe si j'ai pas de porte. J'ai pas de porte parce que mon père est en train de repeindre toutes nos portes. J'ai fait la transition de mes vêtements été-hiver, toutes mes affaires d'hiver, il en manque. J'ai tout trié et j'ai pas pensé à vous filmer une vidéo, j'aurais dû, franchement je suis dégoûtée. Je vous ferai ça l'année prochaine. Je suis en train de trier mes cours. Comment je m'organisais moi en études sup, si j'écrivais sur des cahiers, enfin bref. Du coup je pense que je vous la ferai vers la rentrée au mois de septembre. Donc je vous dis, c'est l'édition Nathan m'ont gentiment envoyé du coup deux exemplaires qui pourraient du coup m'aider. Je peux pas faire les vidéos que je veux pour cette fin d'année, donc je peux pas les inclure dans ces vidéos, mais je voulais quand même vous en parler parce que moi ça va forcément m'aider pour l'année prochaine. Donc l'édition Nathan il propose des exemplaires comme ça pour les révisions. Vous avez plein de filières, que ce soit pour le bac ou même pour les études sup. Si vous allez en BTS ou même si l'année prochaine vous allez passer le bac, ce genre d'exemplaire est hyper pratique. C'est un gain de temps. Ça aussi niveau organisation et productivité, c'est hyper efficace. Si j'arrive à vous dénicher un petit code promo, je vous mettrai en barre d'infos. Sincèrement, je suis pas hyper productive le matin. Je suis pas du matin, je suis très mauvaise humeur. Je suis plus productive le soir. Là du coup je vais faire ma to-do list de la journée, même si je l'ai dans ma tête, je vais vous la montrer. Là maintenant ce que je vais faire, puisqu'il est 3h20, je vais monter ma vidéo IGTV. Pour tous ceux qui m'ont demandé comment je faisais pour monter mes vidéos, je suis passée par plein de logiciels de montage différents et t'apprends que en réalisant. Après il y a des choses que je sais pas faire et que j'aimerais faire, donc des fois bah, je vais voir sur YouTube hein. Puis en plus on n'a pas tous la même façon de monter nos vidéos. Vous voyez ça, j'adore là quand ça bug comme ça. Oui, je clique là, ça ne fait rien. Bon, il y en a qui prennent du Red Bull, moi je prends du Coca. Mais là, je viens juste de terminer le montage. Bon, petit update, on est le soir. J'ai passé toute la journée à monter mon IGTV, ça se voit, j'ai les yeux démontaxes. Pour tout ça, pour j'ai même pas pu la mettre en fait en ligne. En fait, mon stage m'a pris la tête une bonne partie de la journée. Donc faire montage IGTV, c'est fait. Pour qu'à la fin de votre journée, vous soyez quand même content si vous avez fait des trucs. Hello. Donc aujourd'hui, on est le lendemain, on est le deuxième jour, enfin on est le lendemain quoi. Ce matin, là, ce que je vais faire après avoir lâché la caméra, je vais faire ma commande que je devais faire. Donc je vais faire mon sport en fin d'après-midi. Dans l'après-midi je vais mettre en ligne mon IGTV, si ça marche je prie. Et je devais faire une affiche en fait. Hier j'ai eu une demande toute particulière de ma soeur. La maman du copain à ma soeur rouvre son salon de coiffure sur Ajaccio. Et du coup je dois faire une affiche pour indiquer tous les gestes barrières, etc.
Il est 17h30. Là, j'ai commencé du coup l'affiche que je devais faire. Je me suis mis un petit coussin parce que hier je me suis tué le dos. Je vais montrer mon affiche pour l'instant. Bon, je l'ai pas terminée du coup. Il me reste du coup à faire ici les trucs, les phrases importantes là. Je viens de finir l'affiche. Voilà à quoi ça ressemble. Je viens de l'envoyer à ma soeur. Si vous êtes en communication, pas être susceptible ou mal prendre la critique. Vous allez proposer, que ce soit pour de la créa ou du digital, etc. Vous allez proposer quelque chose qui vous va vous plaire, mais peut-être que ça va pas plaire au client. Et plusieurs fois, vous allez changer. Donc, faut pas compter son temps. Voilà, faut pas s'attacher à vos productions, quoi que ce soit, parce que des fois, vous allez proposer un truc où vous êtes trop content. Et puis, vous allez redescendre un étage parce que ça va pas vraiment plaire au client. Je viens juste de terminer ma séance de sport. Je vais faire mes étirements. Sinon, mon IGTV est en ligne, donc je suis vraiment trop contente. Et voilà. Bon alors, on est le lendemain. Donc aujourd'hui, donc ce matin, je suis allée faire des courses. Ça a été ma première sortie après 2 mois de confinement total. Enfin, en tout cas, vraiment, respecter les gestes barrières pour vous, pour vos proches. Je suis rentrée. Là, j'ai fait des photos. Là, je vais filmer ma vidéo. Ah oui, pour ceux qui vont me demander comment je fais pour faire mes photos moi-même, ce que je fais, c'est que bah, je prends ce trépied-là. De toute façon, j'ai que ça à disposition. Je prends une chaussure et je place mon portable dedans. C'est avec ça que j'ai filmé mon IGTV, c'était très compliqué. Franchement, je suis bien contente parce que du coup, jeudi, vendredi, samedi, j'aurai vraiment rempli quasi toutes mes tâches. Mais on en parle de ce temps, les gars. Donc j'ai fini de vous filmer ma vidéo. Je vous ai pas filmé les points, j'ai oublié. Je voulais faire avec mon portable, j'ai oublié. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir ce vlog ici parce que bah franchement là je vais pas faire grand chose, je pense qu'il va faire encore plus sombre, donc je vais aller faire mon sport. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des très très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.